Bon, les amis. Quoi ? Ah non, mais ça va, je vais pas leur rappeler à chaque début de vidéo que j'ai écrit un livre. Ils le savent maintenant, Robert. Vous le savez. Ah oui. C'est vrai que c'est un peu la source de revenus de cette chaîne, ce qui me permet de bouffer et de continuer à faire des vidéos. Donc, mon livre, Libre et bien emmerdé, qui apparemment a plu à la majorité des lecteurs. Oui, je suis en train de le vendre, tout à fait. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Et si vous avez déjà acheté mon livre, qui me permet de bouffer et de faire des vidéos, je vous invite à me laisser un commentaire sur Amazon, parce que ça permet de mettre le livre en avant et de le diffuser et de faire connaître la chaîne et le livre à un maximum de gens. Donc, ça m'aide énormément. Et avant de commencer la vidéo, je vous demanderai aussi de me laisser un petit like, le pouce en l'air comme ça, et un petit commentaire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cœur, un sourire, un clin d'œil, un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de la chaîne. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé cette chaîne. Donc allez-y. Joyeux anniversaire Robert. T'es né quand toi d'ailleurs? On s'en fout. Mais joyeux anniversaire à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera plaisir parce que ça me permettra de mettre cette vidéo en avant et de la faire découvrir à d'autres. Sans transition, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors certes, c'est l'anniversaire de la chaîne, mais le mois de septembre marque aussi mon anniversaire. Oh bah merci, merci, merci. Vous voulez me faire un cadeau? Bah achetez mon livre, hein. Ça va. Non mais 36 ans, ça commence à piquer un petit peu, hein. C'est-à-dire que t'arrives à quelque chose qui ressemble un peu à la moitié, tu vois. Donc tu te dis, bon, si j'ai foiré la première moitié, il s'agirait de pas foirer la deuxième. D'où la crise de la quarantaine, tout ce que tu veux, quoi. Et non, mais tu vois, chaque année maintenant, je me demande, merde, est-ce que je suis heureux, tu vois. Est-ce que je suis vraiment heureux, quoi. Puis je regarde des gens comme Kurt Cobain, Jimi Hendrix, qui sont morts à 27 ans. J'ai 36 ans, quoi, tu vois. Sinon qui? Le patron, hein, Jésus, est mort à 33 ans. Moi, j'en ai 36. Et qu'est-ce que j'ai accompli Et donc, c'est vrai qu'il m'arrive, en mangeant mes pâtes, sardines, jus de citron, là, seul, en regardant dans le vide, tu vois, comme ça, de me dire, merde, mais... À quel moment est-ce que ça a merdé, en fait, cette histoire? Ah non, mais je suis comme vous, hein. Bah toi, avec ton yaourt qui me regarde, toi, avec ton paquet de chips, là, qu'est-ce que tu fais, quoi? Hein? Ils font de la peine. Un petit peu, mais bon... Non, mais vous êtes pas heureux. Enfin, pas tout le temps. Et moi non plus. Et lui non plus. Regarde la tête qu'il a. C'est toujours les plus mal placés qui la ramènent, de toute façon. Hein. Non, mais ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, en gros, c'est que tout le monde en chie. Rassurez-vous, tout le monde en chie. Personne n'est heureux tout le temps, contrairement à ce que les réseaux sociaux nous montrent, et c'est ce que je suis venu vous dire. Et si je me suis décidé à faire cette vidéo récemment, c'est parce que je me suis rendu compte que moi-même, hein, dans mes vidéos, alors même si je pense y être sincère, d'une certaine manière, ça reste une performance, ça reste une forme de sketch. Et vous pouvez vous dire, en fait, c'est la surface, la face émergée de l'iceberg. Si vous ne voyez que ça, vous pouvez vous dire « Putain, le mec, il a une vie de dingue, il a l'air d'avoir tout compris, et en plus, il a l'air de dispenser la bonne parole, ah, j'aimerais bien être à sa place, quoi. » Non, mais moi, en fait, je suis comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens accumulent de la frustration au quotidien, bah moi aussi, tu vois, un mélange de, je sais pas, d'ennui, de retenue et d'amertume tous les jours, que je viens vous livrer comme un jet de vomi, comme ça, en vidéo. Et je sais que vous aimez ça, c'est donc un plaisir partagé, et bah moi, ça me permet de m'exprimer et de me sentir mieux après, quoi. Mais tout ça pour dire que le type dynamique que vous avez en face de vous, là, n'est pas tout le temps comme ça. Enfin, je suis pas tout le temps en train d'articuler comme ça, de parler fort et de lever les mains en l'air, tu vois. Non, au quotidien, je suis normal, je suis calme, j'accumule ma frustration et puis je viens vous la livrer, quoi. Mais donc ça, c'est un truc qui, pour moi, est très important à préciser. Parce qu'on en souffre tous de cette comparaison avec des modèles illusoires de bonheur sur les réseaux sociaux, comme ça, hein, de gens qui donnent l'impression de vivre leur best life, leur meilleure vie, alors que nous, on est en train de vivre une vie de crevard, seul à Bruxelles sous la pluie, là. Mais en fait, on a tous nos soucis, nos moments de déprime, de doute, de souffrance, d'amertume, de regret. On les a tous, et ces soucis sont relativement similaires chez la plupart des gens, que vous soyez boulanger, influenceur ou pilote d'avion. On est humain et on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Mais on excelle dans l'art de les cacher et de porter des masques. Et donc c'est pour ça que c'est important que des influenceuses Instagram se montrent de temps en temps sans maquillage, hein, pour voir la réalité du truc, parce que c'est finalement ça la vie, et que des types comme moi vous disent à mon tout petit niveau que j'ai les mêmes difficultés que vous. J'ai aussi l'impression que la vie est un labyrinthe dans lequel j'ai tendance à me reperdre en permanence et que c'est pas évident, et qu'il y a des jours, c'est chaud. Et ce qu'on pourrait donc aussi dire par rapport à ça, c'est que la vie est relativement normale la plupart du temps
et pour tout le monde, quel que soit notre statut. Qu'on soit acteur, influenceur ou musicien de renommée internationale, enfin, je veux dire, les Jimi Hendrix, les Kurt Cobain et tous les autres qui se sont foutus en l'air, là, bah, ils vont aussi faire caca. Ils cherchent aussi des relations saines. Ils se demandent aussi comment perdre du poids, comment rester sain, comment ne pas devenir fou. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Et je dirais même que chez eux, c'est pire. La plupart du temps, quand quelqu'un est plus quelqu'un, je dirais, est visible, plus ça signifie que cette personne recherche une validation extérieure et donc qu'elle est fondamentalement malheureuse. Sauf exception, évidemment, mais la plupart du temps, je pense que c'est ça. Et c'est pas pour rien si beaucoup se suicident ou tombent en burn-out, comme Stromae, par exemple. Ça me fait penser à Jim Carrey qui disait « Je souhaite à tout le monde d'être riche et célèbre pour se rendre compte que ça ne résout rien du tout. » Et en fait, ce que beaucoup disent, c'est que le succès et la richesse ne font même qu'exacerber des caractéristiques déjà présentes chez les individus. Donc on a tous nos soucis, nos souffrances, nos moments de doute, de déprime. Et si certains ont peut-être plus de chance que d'autres à la base, hein, si certains sont peut-être mieux nés que d'autres, donc dans un environnement plus stable par exemple, bah, si on en croit les études, on finit de toute façon par s'habituer à tout, et donc on finira tous par développer une forme de souffrance à notre niveau. Et ça, c'est important à comprendre, parce que souvent, on a tendance à se dire « Ouais, mais moi, avec ce que j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de me sentir mal, j'ai pas le droit de souffrir, tu vois. » Mais le problème, c'est que cette logique-là ferait clouer le bec à un petit enfant africain qui dirait « Moi, je mange pas à ma faim, parce que pendant ce temps-là, t'as un type qui est en train de se faire torturer dans une cave en Ukraine. » Donc, le petit enfant africain n'a pas le droit de se plaindre, parce que quelque part, sa souffrance, à côté de l'autre, c'est pas grand-chose. Donc, vous voyez, la logique ne fonctionne pas. Et puis comprendre tout ça nous permet aussi de sortir de la victimisation et d'arrêter de nous dire « Oui, mais moi je souffre plus que les autres, je n'ai pas eu leur chance. » Non, bullshit, tout le monde souffre à sa manière. Et donc pour en venir à mon cas personnel, bah, j'ai depuis tout petit des moments de déprime relativement cycliques comme ça. Mais je les connais, je sais qu'ils arrivent. Le problème c'est que même en les connaissant et en me connaissant, quand ils sont là, j'ai l'impression que rien ne va. Que rien n'a jamais été et que rien n'ira jamais. Et surtout que ces moments ne vont jamais finir. Alors que deux jours plus tard, c'est bon. Hein. C'est les moments où je me dis, bon, là j'ai 35 ans, 36, et bah, j'en suis nulle part dans le circuit normal, on va dire. Enfin, je suis un peu tombé du train. À quel moment est-ce que je suis tombé du train, d'ailleurs? Enfin, c'est même au-delà de tomber du train. Je suis même pas dans le script, en fait, tu vois. Je suis pas dans le script classique carrière, mariage, enfant, maison quatre façades, chien, voilà, je suis pas là-dedans. Et quand je m'imagine y être, je me sens encore plus mal en fait. Et donc je fais des vidéos qui sont un moyen d'expression. Et parfois je me demande si elles ne sont pas une fuite. Tout ça pour dire que comme vous, je doute tout le temps et c'est normal. Douter est un signe qu'on est humain en fait et qu'on se remet en question pour avancer vers un mieux, tout simplement. Alors vous allez me dire, d'accord, mais en pratique, comment tu fais? Bah rien. Enfin, disons qu'aujourd'hui, je suis surtout là pour vous dire que ce que vous vivez est simplement normal en fait. Et que sans bas, il n'y a pas de haut. Oui, c'est comme les vagues de la mer, tout à fait. Bah, c'est les lois de la physique la plus simple et ça s'applique aux émotions. Comme disent les Américains, « This too shall pass ». Ce moment aussi finira par passer. Les bons moments comme les mauvais moments. Le problème des mauvais moments, c'est qu'ils semblent toujours, contrairement aux bons moments, durer une éternité. Mais c'est une illusion. Ah mais si, j'ai quand même un conseil pratique à vous donner. Après toutes ces années de réflexion, de... Hein ? D'errance. Si on veut, oui, d'apprentissage de la philo... De glandouille. Ah non, mais on est plus tranquille comme ça. Au bout d'un moment, j'arrive plus à parler ici. Je perds le fil de mes idées. Je sens que je suis pas concentré. Tu reviendras à la prochaine vidéo si t'as été gentil d'ici là. Une semaine. Donc le conseil que je pourrais vous donner, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez êtes un peu perdus là-dedans, c'est que la réflexion sur soi et avec soi ne mène pas loin. Ça ne mène nulle part parce que ça n'implique aucun échange réel, aucune action, et que l'énergie finit par, l'énergie qui devrait circuler à travers un échange ou de l'action dans la vie réelle, eh bien finit par circuler comme ça, et c'est ce qu'on appelle la rumination. Et c'est hyper toxique et ça nous rend tous malheureux. Comme j'aime bien le dire, je pense que l'action conjure la rumination. Et bien souvent, quand on se sent fainéant ou, je ne sais pas, bloqué dans notre vie, voire dépressif, bah en fait, c'est simplement parce qu'on est bloqué dans notre tête. C'est la rumination mentale qui nous fait voir tout en noir. Et il suffit, bien souvent aussi,
de se mettre en mouvement, d'aller marcher, de faire une séance de sport, d'adresser la parole à un inconnu dans la rue, à un vendeur, à voir à un psy, pour se rendre compte que cette émotion négative hyper pesante là n'était en fait pas grand-chose et qu'elle peut très vite s'envoler comme du vent. Mais le plus dur, c'est évidemment d'arriver à sortir de là. Et c'est pas dur en soi, c'est pas dur physiquement, c'est dur par l'idée qu'on s'en fait là-dedans. Et il faut comprendre que cette idée est une illusion, que c'est simplement une construction mentale qui n'a pas lieu d'être. Et quand on comprend ça, on peut retrouver la force de nous bouger et en fait on va déjà mieux. Alors évidemment c'est pas magique, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est important de comprendre que la plupart du temps on se rend malheureux par le film qu'on s'est construit là-dedans, tout seul hein. Et si vous avez souvent l'impression que la vie est si compliquée, vous êtes normaux, mais vous êtes simplement humains, vous êtes des êtres conscients. Et étant des êtres conscients, on se pose des questions en permanence. Et si on suit le script là, qu'on nous a imposé depuis tout petit, mariage, maison 4 façades, golden retriever, enfant, je sais pas quoi, en fait on est souvent malheureux parce que c'est un schéma qu'on plaque comme ça sur une personnalité qui est beaucoup plus complexe que ça. Et si on suit pas le script et le schéma de base là, on est aussi malheureux parce qu'on a l'impression de n'appartenir à aucune forme de normalité hein, qui nous permet de nous rassurer et de nous identifier aux autres dans la société. Donc, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est chaud depuis toujours. Les philosophes antiques disaient déjà « connais-toi toi-même ». C'est pour dire, « connais-toi toi-même », c'est un peu l'idée de dire « bon, tu vois le script là, chiant qu'on t'impose, regarde ce qui t'intéresse dedans, ce qui te permet d'être un petit peu stable et de t'identifier un peu au reste du monde, et puis pimpe-le avec des éléments qui te sont tout à fait propres et des choses qui te plaisent vraiment à toi, quoi. Connais-toi toi-même, hein, disait Sénèque. « Deviens qui tu es », dira Nietzsche plus tard, et tout ira bien. Ça, c'est moi qui le dis. Mais apprendre à se connaître et devenir qui on est, ça implique de se confronter au monde, de se confronter aux autres, et de se viander un nombre de fois incalculable, et de douter. Et c'est comme ça, c'est normal, et c'est comme ça qu'on devient qui on doit devenir. Au fond, on est tous pareils, on est tous soumis à la souffrance et au doute à un moment ou à un autre. Et c'est jamais forcément fini, c'est un peu la loterie, ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Le type de 35 ans qui n'a ni famille, ni carrière peut soit se sentir bien, soit se sentir complètement paumé. Mais pas plus paumé que le type de 35 ans qui a la carrière et la famille, qui se dit que merde, il a fait des choix qu'il aurait jamais dû faire et qui sont maintenant irréversibles. Donc vous êtes normaux, je suis normal, enfin plus ou moins. Donc apprenons à nous connaître, apprenez à vous connaître en vous confrontant au monde, en essayant des choses et en arrêtant de ruminer et de rester là-dedans comme si ça allait vous mener quelque part. Non, ça vous mènera nulle part. Alors faut le dire vite, hein, mais comme disait Sénèque, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.